Waouh! Contrac. Oh, super beau. Connais arc. Sous-broc. Contrac. 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 Salut à tous. Je me méfie de la caméra, du smartphone, parce qu'en ce moment, fait n'importe quoi cette caméra. Bon. Allez. Bon, c'est la petite pause entre séries. Donc là, c'est élévation frontale. Toujours à 8 kilos. 8 kilos. Par alter. Allez. Là, ces derniers jours, j'ai repris la construction de Godessark On, que voici.
Là, je vais aller dans le cockpit, c'est-à-dire la partie arrière du voilier. Qui constitue la zone de vie extérieure, hein, le cockpit, surtout en navigation. Voilà, tant pour la veille que la manœuvre, que les manœuvres. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, lors de la SUP Tago, eh bien, ce que je fais là, je continuerai à le faire en navigation dans le cockpit. Voilà. Durant cette navigation nos limites, où le voilier sera satellisé autour du globe, vers l'océan global. Voilà. Voilà, comme ça, bien, ça permettra de faire de l'exercice et en même temps trouver un moyen de, avec ce genre d'exercice, workout, de produire de l'énergie pour le bord. L'énergie étant une chose tellement précieuse sur un véhicule. Et particulièrement sur un navire, enfin, particulièrement sur tout ce qui va dans l'eau ou dans les airs. Ou dans l'espace. Voilà. Donc ce sera ici. Par exemple, en faisant du squat. Là. Et aussi en faisant ça. Voilà, là je descends par l'arrière. Comme ça pourrait être le cas pour débarquer, hein. Quand le bateau est au mouillage, par exemple, débarquer pour monter sur une annexe. Bon, enfin voilà, donc c'est les mouvements que je ferai à bord. Mouvement de sport et de workout. Voilà. Alors quand je faisais ça, c'est pour simuler aussi donc le stand-up paddle. Quand je ne pourrais pas le faire à ses côtés en pleine mer, aux côtés du voilier en pleine mer, parce que pour des X raisons, voilà, quand même vite fait d'imaginer, hein, voilà, des conditions météo trop dangereuses ou risque de requins et autres prédateurs, etc. À ce moment-là, puisque là, ce sera la seconde phase entraînement aussi, donc les 40 800 km réel et statique, dynamique et statique. Et bien, quand ça sera statique, je les ferai donc dans le cockpit en statique.
de la même façon que donc pour les mouvements de Bourcout. Voilà. Ben oui, il y aura de quoi s'occuper durant ces 3 années non-stop, au moins 3 ans non-stop, en solitaire, sans escale, s'utiliser autour du globe, de la Terre, via l'océan. Allez, c'est la dernière série pour aujourd'hui. Ah, ça y est, il commence à attaquer les... C'est ça le coup de moustique. Ça recommence. Plus.